Ρομποτράκ. Όπου βλέπω εγώ. Όπου βλέπω εγώ. Moi, je te mets en garde, si on me reprend encore, tu t'entends agresser ta maman, ou tu parles mal à ta maman, tu prends ta maman par ta boule. Je suis pas dedans. Non. Ils t'ont vu tout à l'heure sur une escalier. C'est comment faire ce qu'on appelle action prophétique. Amen. Quand vous étudiez les livres toute la vie, ne crois pas dans la Bible. Vous allez voir un prophète, s'il vous plaît. Quand on a la présence de Dieu, on respecte sa présence. Et quand on a la oui, parce que Dieu est grand. Ouais, le prophète, il est dans les actions prophétiques. C'est ce qui le différencie du pasteur. Le pasteur et le prophète, pas pareil. Un prophète, il dit soit jour, enseigne soit jour. Il y a le ministère des pasteurs et celui des prophètes. Il y a les gens qui sont endoctrinés. Et quand ils voient que le prophète, sa manière de travailler, est différente de ce qu'ils voient dans la vie, ils sont choqués. Là, on converse lui. C'est biblique. Je vous enseigne ça. Je vous ai dit dans Marc 6, le verset 13. Quand Jésus avait lui. L'apôtre Jacques explique sa faute très bien. Dans Jacques 5, verset 14. Amen. Donc c'est une action prophétique. Et nous prions. Nous conversons de lui. Pour détruire. Il y a des malades qui l'appellent les anciens de l'église, les responsables. Pour que les anciens prient pour lui, en moyen de lui, pas la personne, mais lui aussi l'action. Donc le prophète, sa manière de travailler est différente de celui du pasteur. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 6, vous allez comprendre très bien. Ne limitez pas Dieu dans sa manifestation. Dieu est tellement souverain. Il est souverain. Amen. Pendant que tu penses qu'il n'est pas dans une affaire, que toi tu ne connais pas. Amen. Il est dedans. Qu'est-ce que tu en sais? C'est toi qui as enseigné à l'église. C'est ce que toi tu connais. Mais la parole de Dieu est pleine de mystères. Et plein de mystères, c'est-à-dire des choses cachées. Et un homme de Dieu se base sur une révélation. C'est-à-dire Dieu se sert de révélation. Et il fait ça dans ton ministère. Amen. C'est ça. C'est la base d'une révélation. Qu'on s'engage dans un ministère. Je suis prophète. Avant d'être prophète, je suis prophète. Et Dieu me donne comment je dois travailler. Donc si tu vois notre prophète travailler, et sa méthode est différente pour moi, de ton enfant. D'ailleurs, prenez 2 Corinthiens, bien sûr, allez à partir du verset 4. Vous pouvez me lire. Il y a diversité de dons, il y a beaucoup de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit qui donne les dons. Diversité de ministères. Diversité de ministères de services, beaucoup de services. Mais le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Il est pasteur, moi je suis prophète, il a sa manière de travailler, c'est le même esprit qui nous conduit. La preuve c'est que quoi? C'est qu'il faut voir le message qui est véhiculé. Hier, pas de dit ici, adoré Satan. Satan, il est vaincu au nom de Jésus. Je ne vous ai pas dit d'aller adorer un démon. Il est bien vaincu. Il est bien vaincu. Je vous ai jamais dit d'aller se prosterner devant une rivière. Des lois spirituelles. Ce matin, je vous ai dit, mais même la photo de Jésus représentée. Moi, adorer ça, c'est une idolâtrie. C'est même une photo. Représenter Jésus, c'est pas bon.
Amen. On dit amen. Donc il faut écouter le message qui est véhiculé. On en est, écoute le message. Les disciples sont venus pour être Jésus. On dit, il y a des gens qui chassent les démons, ton nom. Nous avons empêché Jésus, non? Et c'est à mon nom qu'ils chassent les démons. Ils ne sont pas contre moi. Ils sont avec moi. Amen. Parce que les démons les chassent. C'est pour ça que je vous dis. Dans une église, on n'attaque pas la sorcellerie, on n'attaque pas les démons. C'est que les démons sont là. Je vais vous donner l'exemple de Zélokoé. Allez dans les champs, là-bas, c'est ici qu'on marche. C'est ici nos sauterelles, là-bas, on va aller dans nos champs. C'est ici. Parce qu'on les mange pas. Amen. Amen. Où on combat la sorcellerie? Les diables s'en foutent si tu es un bon prédicateur. Ils s'en foutent si tu prêches bien. C'est le diable qui a dit à Jésus que voici la révélation. Il est écrit qu'il peut même transformer ses pieds en pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas le pain seulement, mais aussi la parole de Dieu. Amen. Donc le diable connaît la parole. Il s'en fout, tu donnes un bon message. Ça ne dira rien. Il a peur de celui qui le chasse. Mais il a peur de celui qui le chasse. Vous savez, vous allez voir, c'est pas n'importe qui attend la société. Aujourd'hui, les mystiques sont dans les églises. Pour la prêcher, prêche, donne l'argent. Vous savez qu'il y a les ministères. Ils sont soutenus par les francs-maçons et autres chrétiens. Mais dans les chrétiens, ils ne sont pas soutenus parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre l'argent là-bas. Et quand on met un peu de l'argent, ils vont remarquer ces pasteurs et les papas dans les villages. Ils aiment la vie, ils aiment la vie, ils aiment le luxe. C'est ce qui les intéresse. Moi, il y a des pasteurs qui disent, mais tu es fort, hein. Pourquoi les sorciers font ça, tu les délits? Tu les délits, tu les appelles. Tu les délits, de toute façon, tu as appelé, non, tu les vas appeler. Si tu penses que je suis fort, tu es trompé. Je crois la parole de Dieu. C'est tout. C'est ce qui me rend fort. Mais c'est ce que Jésus m'en parle. Jésus dit quoi, il va aller partout. Il va t'habiller. Tu sais pas il était habillé. On dit qu'il allait dire Dieu opérer des grands signes dans la main. Tu savais de la main. La parole de Dieu n'est pas de rester sur l'habillage. C'est pas parce que je suis fort. Parce que Dieu me fait partout, et là où je suis, Dieu a oublié de se prier. Et la Bible dit, nous avons le pouvoir dans lui, dit verset 19, de marcher sur les scorpions. C'est Jésus qui est fort, ayant vaincu la sorcellerie. Par la victoire, sûre. On a été moi je crois à ça, c'est tout. C'est un sorcier qui me parlait comme ça. Non, si tu n'as pas Jésus, sorcier te marche. On le dit comme ça. Amen. Donc c'est pas n'importe qui. Alléluia. On les reconnaît. On dit vous les reconnaîtrez par les yeux. Amen. Vous les reconnaîtrez par les yeux. Si c'est un manguier, si vous êtes en train de dire, il n'est pas arraché. Vous êtes en arraché. Amen. L'amour des arts. L'amour qui servit Dieu partout. Souvent, on dit que les gens demandent. Alléluia. Moi, je connais le prophète de Bruce. Il s'en prie. Il en a plus de quoi un con. Quoi un con. Il s'en prie. Quoi un con. Pour délivrer les gens. C'est quoi un con. Où il y a associé son village. Et donc, empêche les gens d'aller au village. Non, il y a quoi un lien. Vous avez vu le vieux paru. Il est parti et sa VN. Encore ton vieux homme est un village. Elle a attrapé le policier et le manger. On met encore pour dire non. Tu fais ta vision sociale à démanger. Je suis l'homme de Dieu qui dit toujours aux gens, allez dans votre village. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Moi, je suis pour le développement. Je veux que vous allez dans votre village pour développer votre village. Le
Aucun sorcier ne peut vous manger. Et là, je dis quand même, venez dans le lit. Amen. C'est tout. Nigo. Alléluia. Et on n'a fini pas d'apprendre avec Dieu. Vous savez, c'est ce qu'il dit aux gens. Il y a ce qu'on apprend à l'école. Il y a ce que Dieu nous enseigne personnellement. C'est ce qu'on appelle le rhéma. En grec, il y a deux mots. Le corps, c'est la parole écrite. Le rhéma, c'est la révélation de la parole. Qui est avec Jésus? Marcher sur les eaux. Hein? C'est Jésus. Ou c'est quelqu'un? Jésus, moi, il est tout. Si c'est toi, Jésus, prenez Jésus au moins ensemble, on tombe ensemble là. Il faut permettre qu'il marche sur l'eau. Jésus, viens, c'est moi. Viens. Il a commencé à marcher, n'est-ce pas? Amen. Amen. Parce que Jésus a dit de marcher. Mais Jésus a dit tous ceux qui croiront en moi feront la même chose. Jésus a marché sur le bas là. Toi, tu as beaucoup de mains. Tu n'as pas ça en bas couvert. Bateau plus. Ribaba, Jésus a marché sur les eaux. Ribaba, je vais marcher sur les eaux. Il faut marcher. Tu vas te retrouver dans le de requin. Après, les gens disent requin va faire dessert tes eaux. Parce que tu n'as rien dit. Il y a la magie sur les eaux, et puis il y a ce qui te dénonce. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens disent, si ta parole, nous allons jeter le filet. Si ta parole, il y a ce que Dieu dit. Donc, un nom de nous, Dieu marche avec le remarque. Dieu m'a dit des choses, c'est ça qui me marque. Il a des scandales, je m'en fous. C'est ce qui a fait le problème de Naaman. Naaman vient voir le prophète Élie. Élisée. Oui, prière. Comment vous voulez? Il s'en parlait de prière. Oh, non, non, non. Il voit que le monsieur dit qu'il va tomber dans l'eau. Oh, non, 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 non. Et si je me jette dans les feux? Amen. Il y a qui la faute, l'eau, ma maladie. Monsieur, je suis malade. Et bon. Faut faire non, prière. Il dit qu'il va tomber dans l'eau. Nous, bien. Elle a envoyé à la voix. Oui, oui. Il a été puité de salaire. Oui, oui, oui. C'est ça le ministère du prophète. L'orientation. Oui, oui. Donc le prophète est différent. Avant de lancer 6 déjà, je retiens vous. Écoutez. Diversité d'opération. Diversité d'opération. Demander de faire. Beaucoup demander de faire. Parce qu'il y a une diversité de. Le temps, le ministère, la diversité des manières de faire. Elle Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça le choc. Oh, d'accord. Sans lui, là, il va prier. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen. 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 Et je connais l'importance de l'onction du lui. Et c'est ce que ça fait dans la vie des gens. Et ils pas quoi, diversité d'opérations. Ah, chez nous, on ne fait pas, c'est chez vous. C'est pas dans la Bible. Moi, chez moi, c'est la Bible. Chez moi, là, c'est la Bible. Si c'est biblique, je suis là. Amen. Amen. Je ne suis pas dans une affaire où ce n'est pas biblique. Quand j'ai posé un acte prophétique, je vais vous enseigner. Je vous dis, voici les preuves bibliques de la chose. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Donc, c'est sur la base de la parole de Dieu. Non, non, non. Et moi, j'agis. J'ai une licence en théologie. Théologie, là, c'est la connaissance de Dieu. La théologie biblique et la théologie libérale. Moi, j'ai fait la théologie biblique. Parce que c'est sur le traitement théologique, là. Est-ce qu'il y a des gens, si vous rentrez là-bas, on va vous gagner un peu là-bas. Mais ça n'a rien à voir le ministère des prophètes. Il n'a pas le ministère des prophètes. Amen. Alléluia. J'ai été formé d'abord pour un ministère de Dieu. J'ai fait 3 ans d'études. Je suis assis en train d'apprendre comment diriger les hommes, comment connaître avec les dieux. 3 ans. J'ai commencé ça. Vous savez ce qu'il dit là, comme ça. Donc on m'a dit, moi je peux te réciter verset.
C'est dans ma tête, dans mon cœur. C'est ça que je ne doute pas. Parce que j'essaie de choisir raciner la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il nous bénit, c'est de vous conseiller toujours la parole de Dieu. Il nous demande de toujours lire la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce que je fais est biblique. Amen. C'est celui qui a entendu qui voit ça bizarre. Encore. Oui, amen, amen. Amen. Priez pour vous. Et Dieu va se manifester. Dieu agira pleinement dans vos vies. Alléluia. Amen. Dieu agira pleinement dans vos vies. Amen. Notre Dieu, le Dieu de la victoire. Et je crois tout de tout mon cœur qu'il vous accordera la délivrance. Je crois de tout mon cœur. Il n'a pas changé. Il est encore le même. Hier, aujourd'hui, il sera encore le même demain. Ne dis pas que le portail n'a même pas dit quelque chose sur ma vie. Ça n'a rien à voir. Il dit oui, quand même. Il n'a pas forcément compris quelque chose. Et pour travailler, oui. Qu'est-ce que ta foi te dit, toi aussi? Allez, le prophète, il a un monde. Si le prophète n'a pas dit, mais ta foi te dit quoi? On dit quoi? Ça, c'est important, ça. Il est bon, non? Amen. Alléluia. Vous allez verser de l'huile. Allez, vous dites. Sur vos têtes. Allez, vous dites. Pendant qu'il sera en train de partir. Et vous dites. Vous allez verser lui. Vous allez verser tout le contenu. Commencez à verser de lui. Non, on ne verse pas comme ça pour verser. Ça doit couler. On est quelque chose à délivre. Elle devait prendre sa tête. Si il est versé différent. Merci, allez-y. J'ai pris la manifestation de la puissance. Merci de la manifestation. Et pleinement et puissamment. Agis notre Dieu. Merci Jésus. Oh notre Dieu, merci. De l'orienter, de la bénir dans son ministère.
Merci de te manifester. Au nom de Jésus. Il y a encore le Dieu du miracle. Le Dieu de la délivrance. Le jour à Rafa. Tu as réveillé un grain dans le désert en jour à Rafa. L'Éternel qui guérit des maux de l'intimité. Je suis dit que tu te manifestes. Merci de ton amour et d'agir puissamment et pleinement au nom de Jésus. Dieu, ton nom est Yahweh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Tu es le médecin par excellence. Tu n'as pas changé. Guéris cette âme. Au nom de Jésus. Merci de la guérir, Seigneur. Que tu donnes gloire à toi. Merci de ta nom, Seigneur Jésus. Merci de te glorifier. Merci de te manifester. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jacob. Tu as dit, je suis le Dieu d'Abraham. Le Père de la foi. Le Dieu d'Isaac, celui qui a, c'est celui qui accomplit les promesses. Parce que tu as promis Sarah. Tu as promis Isaac à Sarah. Tu es le Dieu de la délivrance. Le Dieu d'Israël. Le Jacob. Tu as changé le nom. Le Jacob à l'Israël. En le délivrant de ce pouvoir de la malédiction. Merci de le délivrer, de le manifester. Je crois de tout mon cœur. Merci, notre Dieu, notre roi, de te manifester dans la vie de ce monsieur. Merci pour la sorcellerie qui a été étudiée contre sa vie. Éternel, notre Dieu, et merci pour la délivrance que tu accordes maintenant. Merci, notre Dieu. Merci pour la manifestation de ta puissance. Monsieur, tu l'as guéri du mal. Dieu, merci. La destinée de ce bébé. Et tout ce qui a été programmé est maintenant déprogrammé dans le nom de Jésus. Ta main soit puissamment étendue. Je l'établis dans la gloire. Je l'établis dans la bénédiction. Au nom de Jésus. Merci. Pour sa mère. Merci de la grâce. Merci de la délivrer aussi. Et de libérer sa vie. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce bien-aimé que tu libères maintenant. Bien. Tu viens d'où? Je t'attache à toi. Je casse.
Je refuse ce qu'ils ont décidé de faire de ta vie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Je brise les chaînes de la captivité en libérant ton âme maintenant même. En libérant ton âme maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, reçois. Reçois dans le nom de Jésus ta délivrance et ta libération. Au nom de Jésus, reçois. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Vous te voyez attaché. Mais Jésus te délivre. Jésus te délivre. La puissance de Dieu. Ce nom c'est Jésus. Recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets toutes les ondes sataniques et démoniaques dans vos corps. Et à l'instant même, je proclame la guérison. Je vous déclare guéri dans le nom de Jésus. Parce qu'il déclare dans sa parole tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Et si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il est le Dieu de la guérison. C'est sur cela qu'il est écrit dans Isaïe, cette prophétie d'Isaïe 53. Si c'est pas ses maîtres ceux que nous sommes guéris. Je vous déclare guéri. Je vous déclare libéré. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce que je peux recevoir, madame? Vous organisez, vous voyez Bruno. Il va organiser, il va couler, Bruno. Il va organiser une rencontre avec vous en ville. Comment on fait pour aller vous délivrer là-bas? Bruno. On va voir ça. Moi, je serai là demain matin d'ailleurs. Demain matin, il y a prière. Encore demain matin, à partir de 6h, la prière continue ce matin. Demain matin. Je serai encore là demain matin par la grâce de Dieu. On ira à Douaville. Ok? Tu sais où tu as mis, non? Hein? Oh, tu ne comprends pas ma question? Quand tu me regardes, il parle, je ne parle pas bien. Tu sais où tu as mis, non? Hein? Oh, quoi? Quoi, tu as mis? Hein? Tu dis quoi? Ah, pour le tombeau de Boba. Tu as mis quoi là-bas? Ça m'a dit peut-être. Hein? Ton fils là. Tu veux que ça sorte de sa bouche, combien? Qui a les mains là? Tu vas lui gagner. Monsieur, pardon, c'est pas conférence de presse ici. Petite parole là, tenez une longue comme ça. Je vais poser une petite parole, tu dis non. Hein? Quoi? Moi, toi après. Mes managers. Je vais les tenir, hein? Il attend mes managers, j'ai dit. Hein? Monsieur, tu as mis la chambre de ton fils où? Ah, mais c'est ce qui est demande, ou bien? Monsieur, il est pas sorcier. Hein?
cet homme de ton papa là, tu as mis qui quoi là-bas? Monsieur, ton assiette, je vais le libérer. Il était chassé d'ici. Je ne vais plus m'occuper de toi, il était chassé. T'as compris? Monsieur, non, c'est pas moi qui l'envoie ici, c'est moi qui l'envoie ici. Hein? C'est toi qui as dit à ton assiette de venir sinon. Tu savais quoi? Hein? Lève-toi. J'avais quoi? Hein? C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Hein? Il y en a de sorcellerie. Tu es sorcier. Mais. Il n'y a pas de mais. Viens ici. Toi, tu sais que moi, il peut t'en donner sorcellerie là, non? C'est pour ça qu'il est venu ici, non? Donc, tu as pris chance de ton assiette, mais non, frère de ton de ton papa. Hein? Tu n'as qu'à l'enlever ça. Hein? C'est pas tout. Maintenant, c'est quitter votre discours. Vous n'êtes pas tout loin, revenir. Où est ceci? Et tu fais ça? Il dit ni pas. Mais t'as nié tout de suite. Tu n'as pas nié. Hein? Monsieur, je parle à vous de laisser la terre. Hein? Monsieur, monsieur, je parle à vous, laissez la terre. Il comprend, vous êtes. Monsieur, monsieur, hey. Demain on va y aller de télé, c'est ça? D'aller enlever ça. D'aller enlever ça. Il n'y a qu'à l'enlever. Hein? C'est comme ça ils sont. Là, ils n'aiment pas dire oui. Amen. Alléluia. Non, demain, je vais aller déterrer, c'est ça? Je vais enlever ça. Hein? Je ne sais pas dire oui. Dis oui. Non, je vous donne le rendez-vous. C'est pas à vous de décider. Nous, on n'est pas comme pasteur. Non, moi, on peut dire quelque chose. Demain, ça va changer. On est prophète. J'ai vos sujets. Si elle est de revenir, ils sont en train de voir quelque chose. Comme lui, qu'on fait là, ils ont mis sa chambre. Ils ont mis sa vie dans un fromage. Il y a des choses pour vous expliquer. Vous avez besoin de revenir. Si elle est de revenir, il faut revenir. Il ne dit pas ça pour vous faire plaisir. Quand on rencontre un prophète, votre vie doit changer. Quand on rencontre le prophète,